octobre 2017. OK. Ouais. C'est relativement nouveau, ça fait 10 ans. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Michel est arrivé à Tulum. Elle est arrivée depuis 2006. OK. Ouais, puis elle a vraiment tombé en amour. La première année, je pense qu'elle est revenue comme 12 fois. Ah, ouais. Ouais. Puis, on prend un petit chemin. Shortcut. Fait que là, ce qu'on fait, on retourne dans le fond sur la main road. Sur la route principale. C'est à partir de là qu'on va accéder au gym. Boom! Ouais, fait que c'est ça. Michel est venu à peu près 12 fois en 2006. Puis elle revenait tout le temps une ou deux fois par année après. Holy shit, hein? Ouais. C'est même que vous avez connu Warren, parce que Warren, il me disait que vous veniez prendre des photos avec lui des fois. Warren, je l'ai connu dans une compétition fitness ouais. en 2012. C'était right. un show UFC. Oscar okay. Peterson. Boom. 2011. Ouais, 2011, exactement. Puis, C'était fucked up les photos qu'ils ont pris de vous, là. Ouais, il était photographe. Puis, ouais, puis on a développé une relation d'amitié, Warren, Michel, puis moi. Puis, à notre deuxième, je pense, c'était notre deuxième retraite, Warren était notre photographe attitré. Ouais. Puis, ouais, c'était vraiment, vraiment cool de. Mais ça fait la différence d'avoir des belles photos, là, pris, là, puis tu peux sharer ça après. Tu peux sharer ça après. Le monde donne du love là, quand il voit ça. Là. Ouais, puis l'affaire, c'est que tes participants aussi, les participants de la retraite étaient vraiment. Ils étaient guidés. Il y en a que c'était leur première fois. Fait que d'avoir un photographe leur dire OK, fais ça, place-toi comme ça pour faire sortir le meilleur puis qu'ils se sentent confortables. Ouais. Man, c'est des super belles photos, des super beaux souvenirs. Là. Ouais. Ouais. Ah, très chill. Ouais, fait que c'est ça. Puis moi, je suis venu la première fois en 2012, Michel, après une compétition. Puis Michel, c'était. Ça faisait un mois qu'il était déjà ici. Puis elle disait, hey, si tu veux me voir, viens me voir. Puis je dis, OK, babe. Fait que je suis venu pour 10 jours. Je pense que c'était en octobre 2012. Right. Puis tout de suite, j'ai comme fait, hey, man. Je pense que j'habiterai ici. Ouais, c'est ça. Hein? Je comprends pourquoi. J'aime ça venir autant. Fait que les années d'après, on est revenu une couple de fois. En 2015, on est venu pour un 5 mois. L'objectif, c'était de voir si j'étais en mesure de pouvoir vivre. Ouais, avec chacun nos business en ligne. Puis ça marche bien. Ouais, ça a bien marché. Ouais. Là, on est revenu, puis là, on s'est dit, bon, on va se donner peut-être une bonne année, voir si vraiment on veut faire ça ou si. C'est plus les émotions qui nous disent « Ah, oh, wow, c'est super! » Mais dans le fond, puis finalement, le désir de revenir est resté. Fait que... septembre 2016, on a entrepris les démarches. Puis, décembre 2016, le 22 décembre 2016, on a pris l'avion. Arriver ici avec tous nos bagages. OK, vous avez tous vidé vos trucs à Montréal. Ouais. Ben en fait, ça c'est une autre histoire. On a loué parce qu'on. Pas qu'on était dernière minute, mais le timing n'était pas idéal. Ouais. On a su louer notre appartement à Montréal. Ouais. Fait que j'ai eu le plaisir en juin 2017 de venir le vider puis venir vendre nos affaires. Ça, genre, ouais, genre un super beau système de son. 25 piastres. Ah non, man, c'est juste triste, là. Ouais, mais juste... c'est pas grave, là, c'est non, exactement, c'était juste pour être sûr que qu'il fallait tout sortir, puis c'était... On a closé le chapitre. Puis, regarde. Ben oui, c'est parfait, ça. Je suis super content, là. C'est drôle, parce que moi, comment je t'ai...